Radio Percov dans tous ses états, lanceur d'alerte. Union européenne préemptant Beethoven, évidemment, l'un des mélodies les plus connues du monde, il faut le dire. La neuvième, l'hymne à la joie. Alors, est-ce qu'on est en joie en Europe ? En ce moment, on va demander ça à Paul-Marie Couteau, que nous avons reçu, que nous recevons toujours avec plaisir, qui est essayiste, qui est directeur de la revue Le Nouveau Conservateur. D'ailleurs, le dernier numéro, dernière nouvelle du totalitarisme, présidentielle, redécouvrir le bien commun, vaste programme, effectivement. La riposte russe, qu'est-ce qui se passe ? Voilà, une revue tout à fait passionnante, il faut le dire, et je rappelle simplement que votre exergue de la revue, au fond des victoires d'Alexandre, on trouve toujours Aristote, signé Charles de Gaulle. Alors, où en est-on aujourd'hui, Paul-Marie Couteau, quand même, on voit ce qui se passe actuellement, les nouvelles du front, mais je voudrais parler surtout de l'Europe avec la politique européenne, on ne comprend plus grand-chose, Ursula von der Leyen dit quelque chose, Macron dit quelque chose, alors on dit, oui, ça y est, les 27 ont voté unanimement l'embargo sur le pétrole russe. Ça y est, on ne va plus s'adresser d'ici la fin de l'année aux Russes. 92%, voilà. Et tout le monde s'en réjouit. Vous en pensez quoi ? Ce qui est très intéressant, c'est que l'on apprenait hier que, cher André Berkoff, l'Inde, par exemple, qui est un vieux partenaire de la Russie, qui a beaucoup d'alliés dans le monde. C'est assez intéressant. C'est plutôt l'Occident qui s'isole, mais nous y reviendrons peut-être. Avait quintuplé, peut-être un peu plus, son volume d'achat de pétrole russe. Pourquoi ? Pas simplement pour satisfaire sa consommation continentale, parce que c'est presque un continent, mais pour le revendre à l'Europe. Avec évidemment une solide commission. C'est-à-dire que l'Europe est le dindon de la farce. C'est-à-dire que ce que vous dites, André, ce qu'on dit, oui, ce qu'on a entendu, c'est que l'Europe va arrêter d'acheter du pétrole russe, la Russie vend à l'Inde, et l'Inde nous revend le pétrole beaucoup russe. Beaucoup plus cher. Beaucoup plus cher. Magnifique. Écoutez, nous sommes des Mozart de la finance et des affaires. Voilà. Mais alors, il faut que nous réfléchissions. Merci d'avoir cité l'exergue de la revue que je dirige, Le Nouveau Conservateur, que je dirige avec Jean-Frédéric Poisson. Il faut qu'on cesse de considérer que réfléchir donne mal à la tête à droite. On a le droit d'être intelligent. Et la phrase du général de Gaulle, au fond des victoires d'Alexandre, on trouve toujours Aristote, veut dire qu'il n'y a pas de victoire politique sans réflexion préalable. Mmh. Une réflexion large, une réflexion qui prend en compte l'ensemble des forces du monde. Alors, en l'occurrence ? Et en l'occurrence, si l'Europe est le dindon de la farce sur cette affaire pétrolière comme sur bien d'autres, et si l'hymne à la joie est assez hors de saison, c'est que, pour beaucoup d'Européens, la vie se fait de plus en plus dure, et je crains que ce soit pire dans les prochaines années, dès les prochains mois. L'Europe est passée du centre du monde il y a un siècle à ça n'est même plus un sujet de l'histoire, c'est un objet de l'histoire. Un objet aux mains de qui ? Aux mains des États-Unis. Et vous savez, quand on est soumis, André Berkoff, tout le monde peut comprendre ça, on n'est jamais prospère. Tôt ou tard, la soumission coûte cher. Regardez ce continent, vous, moi, beaucoup de nos compatriotes consomment des produits qui ne sont même plus produits par l'Europe. Pour nous vêtir, au mieux ça vient de Tunisie, sinon ça vient de Hong Kong, de Chine, de Calcutta. De plus en plus d'ailleurs, l'alimentation européenne est dépendante du reste du monde. Il n'y a pas que pour le soja, pour beaucoup de choses. En France, la dépendance est maximale pour beaucoup d'éléments de consommation stratégique, la machine-outil par exemple. Nous avons besoin, pour nos transactions, d'utiliser beaucoup plus que l'euro ou le dollar, c'est-à-dire une monnaie étrangère dont nous dépendons, et cela depuis longtemps. Nous avons en plus besoin pour notre main-d'œuvre d'importer la main-d'œuvre. C'est l'origine de l'immigration. Bref,
Nous consommons beaucoup plus que nous produisons, c'est-à-dire que nous nous soumettons au reste du monde. Mais ce n'est pas nouveau, ça, Paul-Marie. Si, dans ses proportions, oui. Ah oui, l'agriculture, elle était nationale. Oui. Le vêtement et une quantité de produits étaient provenaient des industries nationales qui ont été démantibulées. Mais il faut que nous prenions un peu de recul. Et je voudrais attirer votre attention sur l'impérium américain, le grand impensé, au fond, de la politique française. On n'arrive pas à s'en rendre compte. Et pourtant, c'est capital. Nous sommes soumis, par-dessus tout, quant à notre politique étrangère, à la politique, c'est-à-dire notre relation au monde à un ensemble d'intérêts, de principes, si on peut dire, qui ne sont pas les nôtres, qui sont ceux de Washington. Mm-hmm. Ça va très loin, jusqu'à notre langue, par exemple. On ne se rend pas compte à quel point nous sommes imprégnés par la culture américaine. Encore une fois, c'est un grand impensé, et au-dessus, ou grâce à cette imprégnation culturelle, à cette colonisation culturelle, nous acceptons, sans le voir, l'impérium américain qui va très loin. Il y a un grand penseur sur lequel je voudrais attirer l'attention de nos auditeurs, oui, qui est Zbigniew Brzezinski. Grand personnage, qui est mort il y a 3 ou 4 ans, mais qui a inspiré pendant près de 30 ans la politique états-unienne. C'est lui qui avait créé, d'ailleurs, avec Rockefeller, dans les années 70, la trilatérale, pour commencer. Oui, monsieur. Un de ses grands projets de la trilatérale, c'est important. Il faut le dire à Sud Radio, parce qu'on peut le dire à Sud Radio et pas beaucoup ailleurs. C'est lui qui a fliqué, on peut dire, fiché les intellectuels européens, selon qu'ils étaient dociles vis-à-vis de, ou pas. Bon, vous savez, quand on est sur la fiche des indociles. Oh, est-ce que l'URSS ne faisait pas la même chose? Oui, mais elle n'avait pas les moyens de l'imposer aux radios et aux télévisions françaises. Voilà, c'est pas du tout la même puissance. Alors, quel était le fond de la. Et Brzezinski, oui. Donc, c'est pour vous décrire le personnage que je relatais, la trilatérale, son fruit. C'est aussi lui qui a inventé l'utilisation des moudjahidines, puis de l'islam, en contre Afghanistan, puis ailleurs. RSS, etc. Et puis contre toutes les puissances laïques du Proche-Orient. Ça fait beaucoup de dégâts. Et il avait une obsession, et c'est ça le nœud central, et qui est une grande erreur, à mon avis, pour les États-Unis, c'est que pour lui, le monde était un vaste chaos, sauf si les États-Unis en prenaient le contrôle. C'est le point de départ. Mais c'est presque un messianisme, en réalité. Oui. C'est-à-dire qu'en fait, l'empire du bien, ce sont les États-Unis. Oui. Et il fallait contrôler tout. Le bien au monde, quoi. Et alors, il y a une seule chose dont il pensait que les États-Unis ne prendraient jamais le contrôle, c'est le monde chinois. La Chine et le monde chinois. Mais qu'on pouvait le circonvenir, au moins, sans le contrôler, le contenir. Et pour cela, disait-il, il fallait contrôler l'ensemble de l'Europe. Quand je dis l'ensemble de l'Europe, c'est l'Europe occidentale, ça ne posait pas de problème, comme je disais, la colonisation culturelle est telle que nous faisons contrôler sans même nous apercevoir au nom de l'alliance, de l'amitié, etc., etc., qui est une manière de nous soumettre et de cacher cette soumission à nos propres yeux. Mais il fallait soumettre l'ensemble de l'Europe. Et l'obsession de Brzezinski, qui a quand même été le conseiller spécial de Carter, après des deux Bush, père et fils, de Clinton, d'Obama, bon, ça s'est arrêté évidemment avec Trump. Son idée, c'était que pour circonvenir la Chine, pour la contenir, il fallait non seulement la puissance maritime, américaine, grande théorie, le contrôle du monde par la mer, ils ont utilisé Kennan et autres jusqu'à plus soif, si l'on peut dire, mais aussi par le nord, c'est-à-dire par l'Interland, c'est-à-dire par l'Europe, et cette partie tellement cruciale de l'Europe, j'ai eu l'occasion de vous le dire lorsque vous m'avez invité il y a 3 mois, qu'est la Sibérie. Et pour ça, il faut absolument, c'était son objectif, démanteler la puissance russe. Alors on s'est beaucoup étonné que les Américains continuassent à contenir justement, et même à vouloir détruire la Russie, après même la chute de l'Empire soviétique. Mais c'était encore plus dangereux, la Russie,
libre, si l'on peut dire, en tous les cas non communiste. Pourquoi ? Parce que d'une part, elle est moins embarrassée par son idéologie, et d'autre part, elle peut être gouvernée selon des principes beaucoup plus efficaces, qui ont été ceux de Poutine. Rappelons que depuis que Poutine a pris le pouvoir en 2000, le niveau de vie des Russes a été augmenté par 5. Même ses plus grands ennemis ne le nient pas. Il a réussi à redresser la Russie, et c'est le grand problème des Américains. Et il a réussi notamment à redonner à la Russie un rôle stratégique important, on l'a vu en 2013. Ben on le voit aujourd'hui. En Syrie, et on le voit aujourd'hui. Et, la guerre économique. 2013, Syrie redressé et Daesh battu par la Syrie, en fait par la Russie, utilisant son amitié, sa vieille amitié avec la Syrie. 2014, Maïdan, c'est-à-dire une opération dont beaucoup d'officiels américains ont admis qu'elle était montée, même qu'elle avait coûté cher, pour renverser le pouvoir qui n'était pas pro-russe, mais qui maintenait une neutralité, qui tenait à une autre, qui avait développé des relations avec l'Occident, et pour mettre à la place quelques rigolos du genre Zelensky, qui étaient des affidés des États-Unis. Oui, c'était avec Poroshenko d'abord, et puis Zelensky, et d'autres. Oui. Exactement, avec évidemment l'idée de détruire la Russie. Ça, c'est pas simplement la contenir. C'est là l'erreur de Brzezinski, et c'est l'erreur des États-Unis. Mmh. Dans un jeu à trois, en réalité, ça c'est évident, ça peut se vérifier dans notre propre vie, c'est toujours très compliqué la gestion des relations à trois. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut veiller à ce que les deux ne se coalisent pas, les deux autres, contre le troisième. Dans le meilleur des cas, essayer de se coaliser, de s'allier avec l'un des deux autres contre le troisième. Bon, c'est le théorème de Tarte. Et ce qu'on... Ce que voulaient les réalistes américains qui sont écartés, comme c'était Nixon, c'était aussi Trump, c'était Kissinger, qui aujourd'hui est très opposé à l'attitude agressive de Washington contre la Russie. C'était, dans ce jeu à trois, essayer de s'allier la Russie contre la Chine. Là, la théorie de Brzezinski, qui consiste à détruire la Russie, non seulement ça n'a pas détruit la Russie, et la Russie, comme Napoléon en a pu le vérifier, comme Hitler a pu le vérifier, ne peut pas être prise en main facilement, et finalement, elle s'allie à la Chine contre les États-Unis, qui du coup... Les États-Unis ont poussé la Russie dans les bras de la Chine. Et le résultat, c'est que dans ce jeu à trois, c'est nouveau par rapport au communisme. Il y avait il y avait Washington, Moscou. Là, il y a un troisième acteur, non des moindres, c'est Pékin. Eh bien, Washington a réussi à s'isoler et il est seul en face d'un axe Moscou-Pékin qui finit par marginaliser l'Occident et l'Europe avec. Alors, justement, on va en parler juste après cette petite pause, tout de suite, et on reprend cela parce qu'on va parler un peu, justement, on va finir là-dessus, sur l'Europe. Radio. Les Français parlent aux Français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Et nous sommes toujours avec Paul-Marie Couteau, essayiste et directeur de la revue Le Nouveau Conservateur. On a parlé effectivement de la géopolitique à travers ce qui se passe et l'Ukraine et la Russie, le miroir qui réfléchit, le triumvirat Amérique-Chine-Russie, qui pousse qui dans les bras de qui. Mais alors l'Europe, est-ce qu'on ne pourrait pas dire aujourd'hui, Paul-Marie Couteau, on se pose la question, vous savez qu'un certain Christophe Guillouis avait écrit « La France périphérique » il y a quelques l'Europe années. Périphérique. Voilà. Est-ce qu'on n'est pas dans l'Europe périphérique ? Est-ce que l'Europe n'a pas quitté la scène pratiquement et joue les spectateurs plus ou moins effarouchés et plus ou moins cocufiés ? Oui, il y a une cause principale à la marginalisation de l'Europe devenue en effet périphérique. C'est qu'elle n'a pas compris qu'elle se reposait sur une puissance qui ne voulait pas son bien, c'est-à-dire sur Washington. Washington et les États-Unis, l'Amérique. On l'a compris ça, mais pourquoi elle n'a pas compris ? Pardon, vous avez expliqué. Parce qu'elle est colonisée. Enfin, elle est colonisée alors volontairement.
Délibérément et avec science par les États-Unis. Vous savez, les États-Unis ont commencé par raser les Indiens. Bon, ensuite, ils ont contrôlé l'ensemble de l'Amérique. Tellement contrôlé qu'on finit par parler de l'Amérique comme si les États-Unis allaient du Canada jusqu'à... Bon, c'est l'Amérique. Et l'Amérique, pour nous, c'est le nec plus ultra. Bon, mais ça, c'est le produit d'une propagande. Et oui, mais on était... Attendez, Paul-Marie Couteau, je ne veux faire pas l'avocat des Américains. Vous êtes sceptique. On était contents de les avoir en 44, quand même. Hein, oui, en 17, ça a commencé. Si ça a commencé en 17. Ça a commencé en 17, absolument. Mais vous savez, en 17, si quand ils sont arrivés en juin 17 avec Pershing, ils ont commencé par faire du cinéma, c'est-à-dire de balader des expositions sur le thème « Le sauveur américain est arrivé ». Ça a commencé comme ça, la propagande. D'ailleurs, dans le même temps, elle était théorisée aux États-Unis, la propagande d'État. D'accord. Et ils s'y entendent. Ça a été le jazz, ça a été le chewing-gum, ça a été... Bon, d'accord, mais ça c'est normal, ils jouent leur jeu. Ça a été Mickey. Mais ce que vous ne dites pas, moi la question que je vous pose... Je crois que je réponds à votre question, cher André. Non, cher Paul-Marie, parce que je veux bien, mais alors pourquoi? Parce qu'on dira, voilà, les Américains ont fait ce que vous dites, et je ne dis pas que c'est bien, au contraire. Mais pourquoi on n'a pas eu de chefs d'État et des hommes d'État européens, et pas seulement de Gaulle, on parle toujours de Gaulle, qui étaient incapables de réagir parce qu'ils ont été séduits, c'est pas pour rien que je vous ai parlé de la trilatérale et de Brzezinski, on fiche les hommes politiques et les intellectuels aux États-Unis. Vous me dites, l'Union soviétique l'a fait, mais sans les moyens des États-Unis et sans la séduction des États-Unis. L'imaginaire européen n'est pas devenu un imaginaire soviétique. Non. C'est devenu un imaginaire américain. Notre imaginaire a été conquis. Les films, la musique, très important pour conquérir un imaginaire, la musique. Bah, on préfère les Américains aux Soviétiques de ce point de vue-là. Oui, mais il y avait une musique européenne. Vous allumez une émission de... Enfin, une télévision, vous écoutez la radio, vous entendez de la musique américaine beaucoup plus que de la musique française. Vous voyez beaucoup plus de feuilletons américains que... Bon, ça passe par là, la séduction. Et la séduction... dont le but et la domination, c'est quand même un ressort de l'âme humaine que tout le monde peut comprendre et qui nous a colonisés. Et les hommes politiques ont été colonisés d'abord volontairement et ensuite parce qu'ils savaient très bien que s'ils bronchaient, ils étaient éjectés. N'oubliez pas que la CIA à 3 reprises a essayé d'assassiner le général de Gaulle. Bon, c'est sûr, ça. Même... Ah oui, écoutez, ça. Mais je veux bien vous suivre. Dans le prochain numéro du Nouveau Conservateur, je vous répondrai de façon très circonstanciée. Très argumentée. Et combien d'hommes politiques se sont précipités? Un des plus assidus était François Mitterrand, d'ailleurs, dans les années 50. Donc vous dites que l'Europe. À l'ambassade des États-Unis. Oui, mais alors, donc vous dites c'est ça, que la domination. L'Europe n'a aucune volonté de. D'abord, elle ne parle pas la même langue, ça c'est encore autre chose. Mais l'Europe, donc unie, ne veut. Soyons clairs. L'Europe unie ne veut rien dire aujourd'hui. Je crois avoir l'occasion de vous le dire il y a 3 mois, l'Europe ne peut parler d'une seule voix que pour ne rien dire. Il y a eu le piège américain, et ça c'est très important, qui a été l'Union européenne installée dans les fourgons de la reconstruction et du plan Marshall, et qui a été une manière... assez habile de neutraliser les politiques étrangères pour désarmer les politiques étrangères, notamment celles qui les gênaient le plus, celles de la France. Bon, j'ai été longtemps en poste, enfin un certain temps en poste à l'ONU auprès de Boutros-Ghali. Ghali, on voyait bien que la puissance qui au Conseil de sécurité embarrassait le plus les États-Unis. J'y étais dans les années 92-93 avec Boutros-Ghali, 94. C'était la France, parce que la France avait parmi les autres membres du Conseil de sécurité des alliés. Africains ou des pays non alignés. Et que ce que n'avait pas ou plus la Grande-Bretagne, ce que n'avait plus, ce que n'a pas eu vraiment la Chine, elle commence maintenant, ce que n'avait plus la Russie. Donc il n'y avait que la France qui les irrite. Et il y a eu le fameux traité de Maastricht, dont on a retenu la langue unique, mais dont un autre titre, le titre 5, auquel j'ai consacré un livre, qui s'appelait L'Europe vers la guerre, comme le grand échiquier de Brzezinski, s'est paru la même année en 97. Et ça disait exactement l'inverse. La politique française a été circonvenue par la politique étrangère et de sécurité commune. Vous ne pouvez pas prendre de position, aucun État, aucun gouvernement ne peut prendre sur la scène du monde des
des positions qui soient contraires ou trop différentes de celles des autres États. Comme voilà. On n'a pas les mêmes intérêts, comme on n'a pas les mêmes alliances, eh bien on finit voilà. Par ne rien dire. Et c'est ainsi, comme pour paraphraser Molière, c'est la neutralisation. Et c'est ainsi que l'Europe est muette. Et je rappelle que vous êtes directeur de la revue. Et donc soumise, et donc elle s'appauvrit. De le directeur de la revue Le Nouveau Conservateur, on se retrouve dans un instant avec vos appels au 0826 300 300 et Mehdi Belhaj Kassem.